Popatou, c'est Libien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les points de contribution dans la nouvelle capitale du Vancrum. Donc vous aurez besoin d'un prérequis, de plusieurs même, et vous faudra en premier un couteau de boucher pour aller tuer des lamas dehors pour en récupérer de la viande ici. Il vous faudra aussi une bière. Une bière. Il vous faudra acheter 5 bières brunes et un vin de haute qualité. Et donc, pour les acheter, les bières brunes et le vin de qualité, c'est au monsieur ici, marchand de nourriture. Une fois que vous avez fait ça, il y aura des quêtes qu'il faudra faire dans un sens, tout simplement parce qu'elles vont vous donner une récompense qui servira à valider une autre quête. C'est pour ça que moi, je commence par le forgeron. Donc, le forgeron, c'est très simple. Ses quêtes journalières, c'est il faut lui bourrer la gueule. Il va nous demander une quête aussi, il faut lui ramener un colis. Cette quête-là, vous voyez, elle va nous donner une planche. La planche nous servira dans une autre quête. On l'accepte, et là, on va commencer la quête où il faut le beurrer. C'est une quête journalière pour avoir le plan pour crafter l'arme Awakening, tueur de dragon. Donc là, première quête, il veut une bière, donc on lui donne la bière. Après, on lui donne 5 bières brunes, c'est une suite. Hein. Continuer, et là, il veut un vin de haute qualité. Voilà, du coup, par contre, voilà, la quête, c'est juste, il n'y a pas de point de contribution, rien du tout, c'est juste le plan. Si vous voulez pas faire l'arme ou vous voulez pas du tout faire cette quête, vous n'êtes pas obligé, parce qu'elle vous rapporte. À part le plan, rien d'autre. Ici, une quête où il faudra aller dehors. Il faudra aller ici, donc il faudra se balader un petit peu pour celle-ci. Donc, ici, vous pouvez prendre la quête du petit jeune homme. Il vous demande une planche de bois de Tuja. Et donc, du coup, à côté de ce petit bonhomme, il y a la caisse qu'il faut emmener au forgeron. Et le forgeron vous donnera la planche de bois qu'il faudra donner au petit jeune homme. Tout simplement. Donc voilà, monsieur, votre caisse. Donc ça nous fait 300 points de contrib. C'est pas mal. Vous voyez, je suis à 60, j'étais à 65% à peu près. On va voir combien j'en suis après. Suivante quête, donc la planche de Tuja. On la donne au petit jeune homme. 300 points de contrib. À côté, on a un peu d'XP de transfo. Donc là, vous avez fait déjà cette quête-là. Vous pouvez monter ici. Là, vous avez. C'est une suite de quêtes en fait. Ils vont vous demander d'emmener une caisse à un mec. Un mec va vous demander d'amener une caisse à un autre mec, ainsi de suite. S'il y a eu bien une erreur dans la livraison. Du coup, on prend la caisse. Ça va, c'est pas des distances comme à Valenciennes ou quoi que ce soit, c'est pas des longues, longues distances. Bonjour monsieur, je vous ramène la bonne livraison. Donc ça nous donnera 150 points de contrib. Donc il nous donne une quête. Parce que lui aussi il avait reçu la mauvaise cargaison. Donc du coup, on prend la caisse. Et celle-ci, faut l'amener assez loin là-bas. Un peu plus de trajet, mais ça reste raisonnable. Pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le craft de l'arme tueur du dragon. Parce que moi, je suis en cours de la craft. Je vais avoir normalement tous les compos aujourd'hui. Vous voyez, c'est sorti mercredi. Aujourd'hui, je peux déjà la crafter. Donc, bah, je peux. Pas tout à fait parce qu'il me manque quelques plans, mais fin de semaine prochaine, normalement, je peux la crafter. Donc on est ici, la petite dame, on lui donne la bonne caisse. 150 points de contrib. C'est juste pour vous montrer. Ici, j'ai déjà 9 plans sur les 21 qu'il faut. Donc là, j'en ai 10 exactement. Il m'en manque 11. Mais vu que vous pouvez faire les...
les quêtes de l'histoire avec plusieurs persos, vous pouvez en récupérer plusieurs. Donc je peux crafter une arme, on peut crafter une arme assez rapidement. Et au pire, si vous voulez pas l'équiper pour vous, vous pouvez la revendre, ça vaut quand même blinde. Donc du coup, ici c'est fait, on monte. Moi je vais passer par ici, tout simplement, parce qu'ici il y a deux quêtes à prendre. Après, je rentre pas dans les détails de la des flancs de la ville, on ira après. Pour l'instant, je fais l'avenue principale parce que vous allez voir, il vous faut. C'est là où en fait on a des quêtes qui valident d'autres quêtes. Des récompenses de quêtes qui nous valideront d'autres quêtes. Donc ici, le monsieur, il veut de la viande de lama crue. Donc c'est pour ça que je vous disais, il vous faut le couteau de boucher. Vous allez en buter quelques-uns. Vous en faites un petit stock, vous le mettez au dépôt. Et donc lui, il va nous donner 300 points de contrib. Et surtout, c'est le panier en osier qui nous servira dans une autre quête. Donc on a la viande crue, on valide 300 points plus le panier en osier. Ici, le monsieur, il veut qu'on retrouve, qu'on lui ramène la mariée, qu'on prend la quête. Ici, vous prenez la quête. À la petite dame, elle vous donne aussi une planche de Tudja, c'est comme à vous de voir. Là, moi je peux valider, mais vous, la première fois, vous ne pourrez pas valider. Il faut aller faire une quête un peu plus loin là-bas qui vous donne du fil à tricoter, ou sinon vous l'achetez directement à HV, c'est comme vous vous sentez. Mais bon, vu qu'une quête vous le donne, autant s'en servir. Donc, du coup, moi je ressors et je vais passer ici. Je parle à la petite demoiselle qui veut un panier en osier. Ça tombe bien, on a rendu la quête avant 300. Point de contrib. Ici, le petit jeune homme qui nous veut qu'on aille récupérer son lama qui s'est tiré. Et il nous dit que la particularité de son lama, il a une cicatrice sur la patte droite. Voilà. On continue par là, bien évidemment. On continue. Ici, le géant, le grand monsieur, la quête, il faudra aller tuer des mobs dehors. Et c'est lui qui nous donne le fil à tricoter. J'ai un peu passé vite. Ici, première quête d'une suite de quêtes où il faudra aller prier. Parce que c'est une ville très croyante. Donc pour les prier, c'est très simple. C'est juste en haut là-haut. Vous remontez l'escalier. Vous pouvez le faire avant ou après. C'est à votre guise. Ici, vous aurez une quête une fois que vous avez fait les trois autres. Ah, je dis les trois autres, ça se trouve peut-être avec deux. Ça se débloquera, mais vu que les deux autres sont quasiment l'un à côté de l'autre, ça sert à rien de revenir juste quand vous en avez fait un. Voilà, on a validé. 150 points de contrib, hein, par contre, hein. C'est pas 300 ici. Donc, du coup, là, je trace pour aller tuer. Vous avez des lamas ici aussi, hein, pour ceux qui veulent de la viande. C'est un peu moins loin que de l'autre côté. On court. Vous faudra en tuer trois. Voilà, c'est fait, on n'a plus qu'à rentrer. Bon, si vous avez la flemme de marcher, vous pouvez y aller en monture. Donc du coup, on valide la quête. Merci monsieur, donnez-moi mes 200 points de contrib et mon fil à tricoter. Vous voyez, je suis déjà à 92, j'étais à 64 tout à l'heure. C'est assez rapide. Bonjour, ici la dame qui demandait le fil à tricoter étant donné que nous l'avons.
200 points de contrib. Vous ressortez. Pouvez prendre la petite ruelle ici. Vous avez une quête ici. Au monsieur qui veut qu'on aille engueuler un petit jeune un peu plus loin là-bas qui joue avec les pierres. Voilà, lui faut l'engueuler. 200 points de contrib. Si vous voulez vous baigner avec plein de demoiselles, il y en a plein en bas dans les bassins d'eau chaude, faites-vous plaisir. Le petit coin de pêche apparemment ici. Le but c'était pas de tomber. Ici, vous montez ici, et là, vous avez le garde qu'il faut ramener. Vous lui dites que le loup sanglant est parti, il va vous suivre. Hop, 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 et ici. Alors, l'avantage, c'est qu'il court, hein, donc normalement, vous avez moins de chances de le perdre que sur les autres quêtes qu'on avait avant. Hein. Ils ont incorporé au PNJ la capacité de courir, ce qui est intéressant. Bon, faut quand même pas partir comme un bourrin. Hein. Donc vous dites qu'une fois que vous êtes ici, vous attendez que le monsieur arrive. C'est pas encore là. Je vous ai ramené le soldat. Trois cents points de contrib et les petits résidus d'énergie qui vous servent à faire l'arme. Bah l'arme tout simplement. Donc. Le monsieur qui était juste en dessous, il vous a demandé d'aller réparer une bâtisse. Vous passez ici. Oui, vous descendez. Non, je me suis trompé. C'est plus loin, c'est ici. Ici, juste là. Réparer la bâtisse, c'est juste à côté. Hein. C'est vraiment pas très loin. Voilà, vous avez réparé la bâtisse. Vous remontez, vous allez la rendre au monsieur de l'instruction des compétences. Hop. 200 points de contrib, soit de la pierre, soit du rondin, c'est comme vous le sentez. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Donc ici, nous allons aller chercher la mariée et la ramener au soldat. La mariée étant ici. Lui dire que son mari la cherche, et bien sûr, faut l'escorter, hein. Elle rentre pas toute seule. Elle court moins que le soldat, hein, donc. Mais elle court. Allez, ma petite dame. Vous êtes attendue, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ah, monsieur Pull, elle s'est arrêtée, je suis parti trop vite. Me suis, c'est bon? En avant, poulette. Oh, elle s'est arrêtée, juste à la fin. Allez, poulette, ramène-toi. Bonjour, je vous ai ramené la mariée. Donc ça sera 300 points de contrib et des fougères sautées. Donc, normalement, on a une quête. Il faut juste que je la retrouve par ici.
Voilà, c'est le petit jeune homme là, il a perdu son cerf-volant. Donc il suffit d'aller lui rechercher. Et donc, bah, c'est comme vous le sentez. Le cerf-volant, il y en a un juste là. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, ça passe pas. Donc faut se taper le tour. Hop. On a fini la quête. On essaye de retourner voir le petit garçon. La prochaine fois, tu feras attention quand tu joueras. C'est 200 points de contribution. Pourquoi il m'a monté un truc là? Attendez, je vais aller voir. J'ai une truc, une flèche là. Ah, ok, c'est mais on est c'est rien. On s'en fout. Donc du coup, nous continuons notre épopée dans cette magnifique ville. Donc là maintenant, ça va se passer dehors. J'aurais vérifié, je me suis gouré de route encore. Donc bon, il n'y a pas le lama ici, parce qu'il peut être ici. Ici, vous avez une quête un peu plus loin où faudra aller prier. Là. Donc, pour prier, c'est juste ici. Et vous la rendez tout simplement. Et c'est 150 points de contrib pour les quêtes de. Les quêtes de pliage de genoux, c'est 150 points. Donc du coup, on va aller faire le lama, on va aller, on prend la direction du lama, mais on va s'arrêter dans la partie agricole avant de notre chère ville. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de petites quêtes répétables aussi là-bas. Bonjour, bonjour. Faut juste que je retrouve le chemin. Je crois que je suis des. Je suis pas. J'ai pas pris la bonne route. Voilà, c'est en bas là-bas. Alors là, vous pouvez toutes les prendre, hein, vous pouvez tout ramasser. C'est pas bien grave, c'est comme vous le sentez. Donc, vous en avez une ici où il faudra lui livrer un truc de pommes de terre. Vous prenez la quête. Voilà, le chariot. Pas très dur, il est ici. Bon, ça va, hein, c'est un peu comme avant ça, mais c'est moins compliqué. Il y a beaucoup moins de distance quand même. Hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Bon, je le laisse tomber, c'est plus rapide, hein, parce que le temps qu'il s'arrête, le bordel. Là, va le redresser. Ah, R, gobelin de la ferme, j'ai ramené votre wagon. 200 points de contrib. Nous continuons notre avancée ici. Ici, vous avez une quête. Le villageois qui vous donne une quête où il faudra récupérer du lait. Donc vous pouvez toutes. Là ici vous avez une caisse, vous pouvez la prendre aussi. Elle fait partie de la quête. Et vous l'emmenez là-bas au monsieur, un peu plus loin, qui vous donnera aussi des quêtes. Hein. C'est un cadeau. Paf. La quête n'est pas encore validée. Hein. C'est juste dit comme quoi elle est faite. Monsieur ici qui vous donne deux quêtes répétables. Donc moi je les prends. Tout simplement, vous venez près d'une vache. R. Et allez-y. On fait mumuse avec les mamelles.
J'ai failli. Oh putain. C'est la première fois que je faille le lait. Donc du coup, hein, bah. Ou changer de bâche. Hein. Donc évitez de vous fail hein, quand même. Faut attendre bien que ça se remplisse. Voilà. Quête accomplie. On a récupéré le lait. On le donne ici. On reçoit 300 points et du lait. Ici, on peut venir ici. On lui donne du coup le lait. Et on récupère 300 points aussi. Du lait ou du maïs. C'est comme vous le sentez. Moi, je prends le lait. Ici, là, la suite de la quête, c'est tout simplement là. Non, c'est d'abord ici. Il va falloir que vous récupériez du maïs. En récolte, vous approchez. Vous n'avez pas besoin d'outils sur vous, hein, juste avec le R, ça suffit. Bon, par contre, si ça me file que de la mauvaise herbe, ça va pas le faire. Hein. Je veux du maïs. Fais attention toi avec ta faux. Oh, t'as failli me couper les jambes. Et donc vous venez ici. La petite vache, vous lui donnez le maïs. Et elle vous suit bien gentiment. Bon, attention, la vache est un peu longue. Hein. Ils n'ont pas mis le mode courir. Hein. Casse-pointe. Vous pouvez couper ici hein, pour couper les pour gagner un peu de temps, mais faut partez pas trop vite parce que là vraiment la vache elle court pas et vraiment elle se traîne. Allez la vache, allez, mais oh, je t'ai pas demandé de grimper là-dessus. Viens ici, dépêche-toi. Ils m'ont reconnu. Ils me répondent. Et donc du coup, on lui dit, dès qu'elle arrive assez près. T'es sérieux là? J'ai ramené la vache, ouais! R, donc du coup, 300 points de contrib. Et du lait encore, c'est impeccable. Très bon moyen de faire énormément, bah énormément, un petit peu de lait. Et donc du coup, on a une quête à récupérer ici, par là. Je veux juste vérifier quand même là-bas. Ouais, c'est là-bas, je la vois de là. Je la vois de là! Donc ici, le petit jeune homme veut qu'on communique en face. Donc il suffit d'aller ici. Coin parfait pour agiter le drapeau. Voilà, vous agitez le drapeau. Vous avez en face, ça vous répond. Ça veut dire qu'ils sont pas morts. Donc du coup, vous avez 200 points de contrib juste pour faire 20 mètres. C'est pas mal. Et voilà. Donc pour ici, c'est fini. Pour la version agricole, il restera 2-3 quêtes. Mais de l'autre côté, quand on ira faire... Quand on ira ici, ici, là, il y a une quête ou deux. Voilà, ça dure quand même un petit moment du vent cru, mais il y a quand même pas mal de petites quêtes. Après, je sais que vous pouvez en avoir une via la marchande de potions quand vous montez l'amitié avec elle. Et aussi, quand elle vous donnera aussi une quête si vous voulez faire l'arme, elle vous donne une quête qui vous donne. Le choix entre soit le lago abyssal, soit les huiles, soit je sais plus quoi. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la vidéo sur l'arme. Moi, ça me dérange pas plus que ça.
On a trouvé le lama. Examinez la patte droite. Oui, c'est bien lui. Allez, on le ramène. Bon, c'est comme vous voulez. Soit vous retournez voir le jeune homme pour lui dire, voilà, votre lama est là. Moi, je vais pas aller là-bas. Je vais tout de suite faire la quête de l'autre côté. Donc du coup, c'est ici qu'il faut aller. Vous aurez. Oui, non, il y a deux, trois. Oui, il y a deux, trois quêtes encore. Il y a une quête encore pour prier. Il y a la quête de la dame et il y aura la quête aussi dans l'agricole où il faudra à nouveau récolter du maïs. Ici, la quête pour prier, qui vous donnera 150 points de contrib, hein, comme les autres. Donc c'est très simple, il suffit d'aller en face, vous priez, et c'est bon. Ça y est, j'ai prié monsieur, 150 points de contrib. Voyez, je paie, hein, et je suis déjà à 38%. Ça monte, ça monte, ça monte hyper vite à du vent prime. Donc là, on court, on court, on court, on court. On ne s'arrête surtout pas. Donc là, il faut trouver le petit chemin qui nous permette de descendre, c'est ici. Paf. C'est 200 points de contrib aussi, hein, celle-là. C'est un peu loin, mais c'est 200 points, mais ça reste correct, ça va. Donc du coup, maintenant, on rentre. Alors là, ça va être de trouver le chemin dans les terres agricoles. Que je me trompe pas. Le maïs, il y en a ici. Est-ce que c'est ici? Je sais plus. Il y a tellement de maïs dans le coin que c'est un peu compliqué. De toute façon, je devrais voir la quête. Bonjour. Voilà, la quête est ici. Bonjour, il vous demande de travailler. Donc du coup, il faudra récolter deux maïs. Si vous avez où, hein, mettez-la où, hein, ça va peut-être aller un peu plus vite. Je sais pas. Ils ont piqué le maïs. Allez, 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 maïs, il n'y en a pas là ou quoi? Quelqu'un qui est déjà passé? Ah, attendez. Hop, il y avait un truc là. Hop, maïs. Voilà, on a travaillé. Il est content. Vu mec, nous aussi on bosse. R. 200 points de contrib et un peu de compétences de récolte. C'est pas mal ça pour monter les métiers. Faites-le avec votre main hein, quand il y en a un qui a fait la récolte. Adieu, du coup, voyez. Attendez, c'est pas fini, hein. Du coup, on va valider la quête. Ici, du gamin pour son lama, donc bah, vous passez par où vous voulez. Et il nous restera bien évidemment une quête pour prier. Voilà. Le petit jeune homme, il est content. Il nous file 300 points de contrib et 5 fougères.
Et du coup, on peut repasser par là. On va se faire la dernière. Elle a dû se débloquer normalement avec les trois autres. Voilà, vous arrivez ici. Et là, tout à l'heure, elle n'était pas là. Maintenant, elle est là. C'est magnifique. Et du coup, il faut prier. Et donc pour prier, c'est juste en face. C'est juste à côté, c'est magnifique. Après, on la rend. 200, 150 points de contrib pour prier. C'est pas mal. Donc vous voyez, j'étais à 65, j'ai fait presque. J'ai dû faire 4, dans les 80, pour 80-90%. Environ, je dis bien environ, à 204, je suis à 297 points de contribution. Donc du coup. Moyen de, si vous faites plusieurs villes, il y a moyen de vraiment faire au moins, je pense, facile. Je sais que Valencia me file, je l'ai fait hier soir, Valencia me file 50% de la barre d'XP de contribution. C'est sûr et certain, je l'ai fait. Bon, au moins, du moins les quêtes que moi j'ai fait en vidéo. Hein. Calphéon, je sais pas. Combien ça donne en pourcentage parce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas vraiment cherché. Après, il reste des quêtes répétables vers le lama. Il reste une quête répétable, c'est de la pêche. Je la fais pas, donc à vous de voir si vous voulez la faire ou pas. C'est votre choix. Je pense que déjà là on est pas mal. On prend, je pense qu'il y a moyen si on fait vraiment toutes les quêtes de prendre un point rien qu'à du vent crume donc. Voilà. Mais bon, ça prend quand même du temps, vous voyez, ça fait quand même 30 minutes que j'y suis. Bon, je discute avec vous, donc je suis un peu moins concentré, je suis un peu moins rapide. Voilà, donc j'espère que moi, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas. Je vais faire, il me reste Calmassive à faire. Calmassive, ça va être assez rapide, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup de quêtes. Et je le fais principalement pour le token, pour le chariot. Donc, on se revoit très bientôt pour la dernière ville qui sera Calmassive. À bientôt, bye bye.